Hey, yo les gars, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le saviez-vous, qui sera au programme aujourd'hui? Alors, il va être vraiment bien, j'ai pris pas mal d'infos. Donc c'est un le saviez-vous spécial FIFA. Donc ça va être du premier FIFA qui a été sorti jusqu'au FIFA plus récent. Donc je vais vous donner des informations, des faits et des anecdotes. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu pendant la vidéo ou tout de suite maintenant. Pour m'encourager à faire peut-être d'autres le saviez-vous sur FIFA ou sur d'autres thèmes. Alors, première info que vous savez peut-être pas, c'était sur FUT 14. Il était possible de racheter un match sans se faire pénaliser, donc sans perdre de crédit avant les 5 premières minutes. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien parce que ça permettait de voir, par exemple, le mec en face, il a une mauvaise latence, on pouvait quitter. C'était vraiment un bon système, sachant que la personne en face n'aura aussi aucun problème au niveau des points. Maintenant, sur FIFA 15, il n'y avait pas ça. Et je pense que sur FIFA 16, je pense pas qu'il y aura ça non plus. À vrai dire, j'ai aucune information à ce sujet. Deuxième information, une information assez drôle, mais assez bizarre. Là, on comprend pas IS, c'est une logique assez bizarre en fait. Je pense qu'ils ont trompé, ou franchement, je pense pas qu'ils avaient une information. En fait, c'était tout simplement que sur FUT 13, Sturridge il était AD, donc attaquant droit. Et il faisait 1m88. Ce qui me paraît assez grand pour un AD, mais il courait assez vite. En tout cas, là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faisait 1m88 et que sur FUT 15, si on cherche Sturridge, on peut voir qu'il mesure 1m83. Alors, c'est très bizarre, sachant que en plus ou moins deux ans, il aurait perdu 5 cm. Alors, je sais pas ce qu'a fait IM, en tout cas, sur ce point-là, ils ont merdé. Alors, sur FIFA 9, EA a rajouté un DLC payant, étant sûr de leur coût en fait sur le mode FUT. Ils ont rajouté un DLC payant sur le mode FUT qui était à 15€. Donc en fait, il me semble que c'était en 2009 que le mode FUT a commencé. Et ils se sont dit, bon, ça va être un carton, quitte à rajouter un DLC payant à 15€. Sauf que, certes, le mode FUT a bien marché. Le problème, c'était qu'en fait, quasiment personne n'a acheté le DLC. Du coup, FIFA avait bien le seum sur ce coup-là. En tout cas, pas FIFA, mais EA Sports. Et depuis, il n'y a plus de DLC sur FUT. Alors, une autre information. Alors, celle-là, je pense que vous devez la savoir, mais je suis pas sûr. C'est que ce n'est pas EA Sports qui choisit les équipes de la semaine. Ils préfèrent que les grands journaux sportifs le fassent. Par exemple, en France, c'est le journal L'Équipe. Donc, pour vérifier ça, c'est tout simple. Vous allez sur le menu FUT et dans l'équipe de la semaine, vous verrez qu'en bas, il y aura marqué l'équipe. Donc en fait, c'est tout simplement le journal que vous connaissez sûrement, le journal sportif, l'équipe en fait, qui va trouver les meilleurs joueurs de Ligue 1 et de toutes les ligues d'ailleurs, et qui va choisir l'équipe de la semaine. Par ailleurs, c'est aussi une autre info que je vais vous donner, c'est un peu du même style, c'est tout simplement que ce n'est pas EA Sports qui choisit les Men of the Match, mais c'est la FIFA. Alors la FIFA décide les Men of the Match. Par exemple, quand il y a une finale de Coupe du Monde ou une compétition nationale, en finale ou en demi-finale, en fait, c'est tout simplement la FIFA qui va désigner au préalable un joueur et qui va le donner ensuite à EA Sports qui va le mettre sur le jeu en Men of the Match. Alors, une autre information, c'était que le premier FIFA était FIFA International Soccer, sorti en 1993. Alors c'était un FIFA vraiment qui a bien marché parce que déjà c'était le premier. Ensuite il est sorti sur beaucoup de consoles. Bah, il me semble, franchement j'ai plus le nom en tête, enfin, il me semble qu'il est sorti sur toutes les consoles qui étaient sorties à l'époque, même sur PC. Et si jamais vous voulez jouer à ce FIFA 1993 et que vous n'avez pas la fameuse le fameux disque en fait pour jouer, c'était pas un disque, c'était une espèce de cartouche en fait. Et si vous avez FIFA 6, on a possibilité de rejouer à ce jeu en allant dans la rubrique bonus du menu sur FIFA 12. Lionel Messi était sous forme de 7 cartes, donc il me semble que c'est le record. Jamais, il me semble qu'aucun joueur n'a encore été autant de fois en carte. Donc il était tout simplement en une fois. Il a été fait une fois en or rare, donc normal, 4 fois en inform, ce qui est vraiment beaucoup, une fois en man of the match, et une fois en toti, ce qui nous fait en tout un total de 7, et c'est vraiment, vraiment beaucoup. Alors maintenant, je vais vous donner
des infos sur le jeu FIFA International Soccer, qui est le premier FIFA sorti en 1993. Alors, première information sur ce jeu-là, c'était que le jeu au départ, en fait, n'avait tout simplement aucune licence. Il était connu sous le nom de code EA Soccer, donc les développeurs, le nom de la licence était EA Soccer, mais pas FIFA. Alors, Monsieur O'Bannell, je vais vous parler de Monsieur O'Bannell, je ne pense pas que vous le connaissez. Donc, je vais vous lire un petit paragraphe qui parle de lui, ça va être vraiment très drôle, je pense que ça va vous intéresser. Alors, n'ayant pas le droit des noms officiels des joueurs, les développeurs se sont alors inclus dans le jeu. Un des développeurs, Marc O'Bannell, excusez-moi, a ainsi décidé de devenir attaquant de l'équipe de France. Quelques années plus tard, alors qu'il était dans un hôtel français, un membre du personnel a reconnu son nom et on lui a demandé si c'était bien lui qui apparaissait dans le jeu. Alors cette anecdote est vraiment pas mal du tout parce qu'en gros, comme je vous l'ai dit, ils n'avaient pas le droit de mettre les joueurs officiels. Du coup, il s'est dit, bon bah voilà, je suis développeur et je vais me mettre dans le jeu en attaquant droit. Et en fait, je vais vous retraduire en fait si vous n'avez pas compris. Et en fait, il était dans un hôtel français. Et comme je vous l'ai dit, le personnel, un des membres du personnel a cru que c'était un footballeur et a demandé si c'était bien lui qui était dans le jeu. Donc, ça, c'est vraiment une belle anecdote. Alors, maintenant, je vais donner une anecdote moins marrante, moins drôle, mais qui est vraiment très intéressante. C'est un peu grâce à cet homme que FIFA est créé. Donc, ça, c'est très intéressant, franchement. C'est en fait le développeur Joey De La Savia est décédé dans un accident de voiture peu de temps après la sortie du jeu. Et il avait confié une cartouche de la version finale du jeu à Bruce McMillan à la fin du développement, que ce dernier a depuis gardé précieusement en souvenir. Mais c'était vraiment une belle anecdote. Alors maintenant, ce monsieur McMillan qui a reçu cette cartouche du jeu, du premier FIFA, donc c'est aussi un développeur. Et a donné le nom de son fils à un joueur. Et on a profité pour lui donner de très bonnes statistiques. Donc en fait, son fils venait juste de naître. Et a dit, bon ben voilà, je suis développeur. Je fais en gros un peu ce que je veux. Du coup, je vais mettre le nom de mon fils et lui mettre des très bonnes statistiques. Une anecdote qui fait toujours rire. Et c'est là où on se dit que, bon en fait, le développeur... En fait, c'est là où on se dit vraiment l'importance du métier de développeur. En fait, quand tu es développeur, c'est un peu plus ou moins ton jeu. Tu te dis... faire un peu ce que tu veux en fait, c'est ça qui est vraiment très drôle. Donc voilà, c'était tout pour le saviez-vous version FIFA. Comme je vous l'ai dit, je vous ai donné des infos sur FIFA de façon générale et aussi des infos sur le premier FIFA parce que ça reste quand même le premier, il reste quand même assez mythique. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez jouer dessus et que vous n'avez pas la cartouche, vous pouvez bien sûr y jouer sur FIFA 6. Du moins, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Et partagez un maximum si le savez-vous, parce que je pense pas beaucoup qu'il y ait de personnes qui savent toutes les informations. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo en ma compagnie. C'était Antoine. Allez, ciao.